René, ça va ? Non, ça va mal. J'avais vu Frédéric il n'y a pas longtemps, on m'avait donné des nouvelles de toi. C'est avec Frédéric qu'on se voit une fois tous les 6 mois, alors. Frédéric. Ouais. Tu veux pas qu'on aille prendre un café quand même ? Viens, on va parler un peu. Viens, René. Ça va pas, hein ? La nuit. Quand je dors, je suis réveillé par un coup de couteau. Là ! Comme un coup de couteau ! Ça fait un super mal de chien ! Alors j'avale des médicaments pour me rendormir. Et je fais des cauchemars horribles. Je vois des gens qui rentrent chez moi pour prendre les dernières affaires qu'elle a laissées. Alors j'avale encore des médicaments pour pas souffrir. On souffle, on allaite, on perd le fil de ses pensées, on trouve plus ses mots, on bafouille. Enfin tout quoi, tu vois. Remarque, si une femme vous quitte, bon, bah faut s'en prendre qu'à soi. Elle est partie, c'est de ma faute. Si je m'étais conduit autrement, ça va partir, voilà, c'est tout. Faut être fort, moi, lui. Pas se laisser aller, rien. Quand même. C'est dur. C'est dur. On voudrait dire, je vais changer, je serai plus comme avant. Mais l'autre fait semblant d'y croire parce que c'est pas vrai, on sera exactement comme avant. L'autre sait très bien qu'on changera pas. Moi aussi, je le sais bien. J'ai eu ça dans un film. Un acteur disait un truc comme ça. Je me souviens plus bien. Quelque chose comme ça. Quand tu souffres du mal que te fait l'amour, on prend des médicaments. Ça calme la douleur. C'est pas très romantique, mais c'est comme ça. Eh ouais. Faire attention à soi, mon vieux. Faire gaffe. Voilà. Faites attention à vous, mon vieux. Personne n'a le droit de vous faire souffrir. Méfiez-vous de la douceur des choses. J'avais un ami, vraiment un bon copain. Un jour, une femme lui a dit « mon amour ». Il a dit « oulala, je me méfie de ces mots-là ». Elle a bavé des ronds de chapeau, il est mort. Ça ne nous a pas fait marrer. Remarque, quand tu tombes amoureux, tu prends le risque de souffrir. C'est moral. Quoi qu'en ce qui me concerne, un peu plus de tendresse et un peu moins de violence, ça serait bien quand même. Je suis pas violent, je suis un tendre. Mais quand t'as plus une thune, rien. Quand t'es complètement dans la dèche, ça tend les rapports. Les rapports deviennent plus violents. Tu te crispes, tu fais la gueule, tu tournes comme un lion en cage. Tu te crispes, puis brusquement tu casses un truc, tu pousses une hurlante et tu files une danse à la fille que t'aimes. Tu peux pas vivre sans une femme. Ah ouais, complètement homo. On est des hommes. Alors à travers les femmes, tu cherches l'amour. Tu cherches, tu cherches. On lui dit cherche. Sur le nombre, il y en a bien une qui restera. Cherchez pendant 10 ans. La dernière fois qu'elle est venue, elle m'a dit, fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant. Puis fait, elle a disparu. Tu trouves pas ça bizarre, toi ? Si, c'est bizarre, mais ça me rappelle quelque chose. Les femmes qui demandent qu'on leur fasse un enfant, tu vois. Alors elle m'a donné rendez-vous à 6h, elle m'a dit qu'elle revenait avec ses affaires. Alors moi j'ai attendu. Et puis elle m'a fait téléphoner pour dire que c'est fini. C'est bizarre quand même. De venir, de dire fais-moi un enfant. Et puis téléphoner pour dire que c'est fini. Ouais, et tu sais René, il y a un truc que je dois faire. Non mais écoute. Non mais je t'écoute, mais je dois aller chez Jenny, une amie là. Ouais. Tu peux venir avec moi si tu veux. Moi je connais pas. Non mais elle est gentille, tu verras que ça te fera du bien. Viens, René, viens. Bien. Donc Louis. Ouais. Tu peux me passer 10 balles. 10 balles. Ouais. Tiens monsieur. Non, non, c'est par là. Viens, bah garde-la, tu lui donneras. Bonsoir. Ouais.
Voilà, c'est René, Jenny. Enchantée. Excusez-moi, j'étais pas invitée. Mais c'est pas grave, vous avez bien fait de venir. Entrez. Ah, merci. Je vais la mettre dans un verre. J'ai pris les poèmes sur un éventail de Mallarmé. Je dois partir maintenant. Ah oui. Au revoir. Vous pouvez rester si vous voulez. Enfin, si vous n'avez rien de mieux à faire. Le dimanche, on lisait du Louvre. C'est gratuit. Vous pouvez regarder la peinture ici, si vous voulez. Je te fais porter de quoi manger. Tu vois, je pense à toi. Allô, Jenny? Jenny, c'est René. Je suis en bas de chez toi et ça m'aurait fait plaisir de te voir si tu veux. Attendez, quittez pas. Jenny! Allô? Allô, Jenny? Oui, c'est oui. René. Excuse-moi, mais je peux pas te parler pour le moment. Là, je suis là en bas de chez toi et ça m'aurait fait plaisir de te voir. Enfin, si tu peux pas venir, je comprends très bien, mais... Enfin, ça m'aurait vraiment, vraiment fait plaisir de te voir, j'insiste. Attends... Tu peux venir? J'insiste vraiment parce que...
J'insiste parce que quand je t'ai rencontré, voilà, j'étais... Je sais que ça se dit pas, mais j'étais... J'étais au bout du rouleau. Viens, s'il te plaît, viens. Bon, écoute, je descends, bouge pas. À tout de suite. J'arrive. Je te raconte quelque chose. Tu vois, j'ai une petite fille qui est morte. Tiens, c'est sa photo. Petite. Et ça s'est passé en Amérique. Et j'ai écrit au ministre pour qu'elle puisse être enterrée ici. Mais tout ça, c'est très très difficile. Et l'homme qui est là-haut est le père de ma petite fille. Tu vois? Il faut que tu t'en ailles maintenant. Hein? Attends vite. Attends. De le dire. Quelle heure il est? Je sais pas, mais il doit pas être loin de 11h du soir. J'attendais. Tu t'appelles comment? René. Tu t'appelles René? T'es de Paris? Paris. Bon, faut que je me déshabille. À la peine. Bien. Tu veux que j'enlève tout ou pas? Reste comme ça, on le met sur le truc. Je vais là, derrière cette église, si tu veux m'y retrouver, tu pourras toujours m'y rejoindre.